been looking for you now and then. Someone just like you, who can make me feel the way you do. Cause if I'm the ocean, you're the rain. We only need each other, baby. Bonjour les amis, j'espère que vous allez super bien. Alors pour ceux qui suivent les vidéos de près, hier il y a un local Ahmad Bassana qui m'a invité en fait, directement dans son terrain, et là il m'a invité aujourd'hui directement chez lui, on a fait du bateau. Malheureusement j'ai pas pu filmer, donc je vais vous filmer comment vivent les locaux. Ils vivent très simplement, on roule pas en Porsche ou en Ferrari. Ici tout est basé vraiment sur les échanges, sur les vraies valeurs familiales. Enfin voilà, je vous montre directement sa maison. Donc ici les maisons sont faites essentiellement en bambou. Voilà donc c'est une construction typiquement asiatique qui se fait dans beaucoup d'îles en Asie. Voilà. Donc regardez comment ils vivent très simplement. La pièce à vivre. Essentiellement avec du bambou. Et on se débrouille quand on peut. Vraiment un respect. Là vous avez la cour, en fait c'est là où les enfants s'amusent. Vous voyez, c'est très très simple, hein. Les enfants n'ont pas de jouets ici. Et là concrètement, regardez, c'est la, on pourrait dire espèce de salon, je sais pas comment dire. C'est, voilà, on peut le dire, le salon. Il y a une chaise. Regardez comment c'est très très simple. Il n'y a pas du tout de fioriture. Hein. Il y a une pièce de repos. Je sais pas si vous voyez les conditions dans quoi ils vivent. Un petit potager. Voilà, protégé parce qu'il y a du bétail. Je sais pas si vous voyez à l'écran, le seul truc qui est choquant, on va dire, c'est la saleté. Ça c'est propre un peu à l'Indonésie, voilà, je suis pas du tout un expert en Indonésie, mais en Asie c'est souvent très sale malheureusement. Je pense que c'est une histoire d'éducation. Toi tout à l'heure il y a un enfant qui a pris un bonbon et en fait il l'a balancé par terre. Peut-être que personne lui dit, toi. Peut-être que sur les grandes îles ils en prennent plus conscience que sur les petites îles, j'en sais rien. N'hésitez pas à commenter en vidéo. Mais je pense qu'il y a un énorme effort là-dessus à faire. Et voici la cuisine. Regardez, une planche avec des couverts. Je ne sais pas si vous vous rendez compte dans quelles conditions ils vivent. C'est assez impressionnant. Le dîner est servi. On va se régaler. I just say the meal is ready. It will be amazing. Terminé la journée, je vous propose un magnifique coucher de soleil. Franchement, j'ai pris super cher pour monter jusqu'en haut. C'est très court mais très intense. Mais comme partout en voyage, t'es quasiment tout le temps récompensé. Allez, je te propose un petit coucher de soleil pour terminer la journée.